C'est l'histoire d'une créature qui avait mal aux dents. Non, mais une créature, ok, oui. Créature, c'est un homme poli qu'on donnait aux femmes pour chez nous. On voyait une belle femme, on disait pas regarde la belle femme, on disait regarde la belle créature. Non, non, mais une créature, des fois, c'est plus beau qu'une femme. Mais là, ça mettait la femme en haut. Mais non, 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 oui, on dit plus ça, on dit plus ça. Mais elle avait mal aux dents, puis dédentée, s'il n'en poussait pas à tous les coins de rue comme aujourd'hui, on n'avait même pas, on appelait ça des arracheux de dents. Il passait dans le village à tous les deux, trois mois, il fallait que tu t'adonnes à avoir mal aux dents, même quand il passait. Oh, c'était toute une histoire. Malheureusement, heureusement pour la petite fille qui avait mal aux dents, on avait dans le village un vieux garçon. Avez-vous ça pensé des vieux garçons? Lui, il était vieux garçon, mais voulu. Il avait comme à tarder un peu pour se trouver une créature à son goût. Puis plus tu retardes dans les créatures, moins que le choix est là. Il y avait presquement plus de choix, à me dire, à son goût, là. Fait, au lieu d'offusquer les autres créatures tout autour, il a décidé, au lieu d'en prendre une, de toutes les garder. Il s'est choupé de ça dans le village. Puis il est devenu expert en la matière. Un espèce de guérisseur pour les créatures. Toutes les créatures malades, il allait le voir. Il les guérissait pas, mais il les faisait oublier qu'ils étaient malades. Ça va comme ça, c'est ça. Mon bon monsieur, vous avez de la bonne engant. Il y a trois semaines qui voudraient avoir.